protection contre le diabète et l'obésité. 4 alternatives naturelles au sucre blanc. Renseignez-vous sur les méfaits et les alternatives naturelles du sucre blanc disponibles dans les magasins, protégez-vous contre les risques et protégez-vous contre l'obésité et le diabète. Le risque de surécettement du sucre blanc est nombreux, il entraîne de nombreux problèmes de santé, principalement l'obésité et le diabète. Le miel des abeilles, la mélasse, peuvent également être utilisés dans l'alimentation, l'amaigrissement et les recettes alimentaires pour prévenir l'obésité. Et nous avons également à connaître la réponse à la question. Les substituts de sucre sont bénéfiques ou nocifs pour la santé. Nous reconnaissons également les dangers de la surécave du sucre blanc. 1. Sucre stevia. Est l'un des meilleurs substituts naturels de sucre, extrait de la plante de stevia, originaire d'Amérique du Sud. La poudre extraite des feuilles de stevia est l'alternative préférée pour le diabète de type 2, le prédiabète, mais tout diabétique doit consulter son médecin avant utilisation, et le médecin déterminera la quantité appropriée qu'il ou elle peut consommer. Une des caractéristiques les plus importantes de la stevia est qu'elle ne nuit pas aux dents comme le sucre blanc. Convient pour adoucir le thé, le café et faire des gâteaux. 2. Sucre de coco. Le sucre de coco contient des vitamines et des nutriments tels que le magnésium, le fer et le zinc, et apprécie le goût du caramel. Il est extrait du nectar des boutons floraux pour cocotiers. Contient des fibres alimentaires qui contribuent à la lente absorption du sucre par l'organisme. Il peut être utilisé pour faire des gâteaux sains sans sucre blanc, mais un diabétique doit se référer à votre médecin pour déterminer combien peut être consommé. 3. Miel d'abeille. Le miel est l'un des plus anciens édulcorants au monde et est utilisé comme agent curatif en médecine naturelle, en raison de ses propriétés anti-inflammatoires du miel. Le miel d'abeille est riche en calories, et si vous êtes diabétique, consultez votre médecin pour déterminer la quantité de miel que vous pouvez consommer quotidiennement. 4. Mélasse. La mélasse a beaucoup d'espèces telles que la mélasse de raisin, la mélasse de date, la mélasse de caroube, et toutes sortes de mélasses sont concentrées sirop de couleur rouge. La mélasse contient des antioxydants et des substances anti-inflammatoires, qui font de la mélasse la meilleure alternative au sucre dans l'industrie de la confiserie. Nous réitérons également que les diabétiques devraient d'abord consulter votre médecin pour déterminer la quantité appropriée de consommation. Protection contre le diabète et l'obésité. Mélasse. Les substituts du sucre sont-ils bénéfiques ou nocifs pour la santé ? Il n'y a toujours pas de preuves solides que les alternatives au sucre, qu'elles soient naturelles ou industrielles, sont bénéfiques pour la santé ou les dommages, et dans ce contexte, vous pouvez voir un sujet de recherche qui révèle une surprise sur les alternatives au sucre. Certaines études ont montré que les substituts du sucre améliorent l'IMC et ajustent les niveaux de sucre dans le sang. Risque de surécoupe de sucre blanc. L'accumulation de sucre blanc dans la bouche et la salive fait que les bactéries commencent à attaquer l'émail des dents, contractant ainsi la carie dentaire. Le sucre blanc excessif cause des douleurs articulaires et des infections. Le sucre blanc augmente le processus d'oxydation, conduisant à des signes de vieillissement prématuré, de rides et de ridules. Manger du sucre blanc conduit fréquemment à l'obésité, des niveaux élevés de sucre et de cholestérol, et agit sur l'hypertension artérielle, et peut donc conduire à l'athérosclérose et les maladies cardiaques. Manger du sucre blanc augmente fréquemment le poids, l'obésité, ainsi que le diabète de type 2.